revoilà. Donc, alors. Ah oui, je peux pas utiliser. Comme c'est une bêta, je peux pas. Dans les paramètres, on peut pas reconfigurer. Donc, du coup, c'est forcément WASD pour se déplacer. Donc, je peux pas utiliser WASD. Enfin, voilà, je peux pas utiliser notre cher ZQSD. Donc. Alors, nous sommes dans Mirror. Je ne connais pas Mirror encore. Alors, on a, doit rechercher des sorts. Alors, ça, c'est des sorts qu'on va pouvoir lancer un peu plus tard quand on les aura recherchés. Vous voyez, la durée de recherche est juste complètement fumée. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est quoi, sort de combat? Attends, je vais voir déjà ce que j'ai comme sort. Donc tous les sorts, sort du chaos. Donc corruption, mur de feu. Qui sort les sorts globaux. Ok. Voilà, sort globaux. Sort des arcanes. Alors, les esprits magiques, j'ai demandé que c'était important parce que c'est eux qui peuvent voilà, contrôler des nœuds de pouvoir qui sont a priori importants, sort globaux, sort de vocation, tous les sorts. Donc on a plein de filtres possibles. Voilà. Donc du coup, ça me dit pas créature déformée, ça fait quoi? C'est un debuff. Ça, c'est. Un buff, j'imagine. Cible amie, ouais. Ouais. Donc ça, ah, efficace que contre les créatures du chaos et de la mort. Donc ça, c'est un sort d'attaque. Nouveau lieu où son pouvoir se manifestera. Déplace l'emplacement de votre sac d'invocation à une autre ville. Ouais, ça peut être pratique, mais bon. Dissipation de la magie. Une bataille de la volonté sans ces tentatives de dissipation des sorts ennemis, ouais. Logique, un chien de l'enfer, donc une invocation de créature. Ça, c'est un buff voilà, qui va augmenter. Et ça, c'est un buff pour protéger. Ok, bon. C'est pas ouf. Je vais prendre le feu d'étoile parce que c'est celui qui se recharge le plus rapidement. Puis ça me prend éventuellement un sort de dégâts d'attaque instantané. Je pourrais jeter éventuellement sort d'endurance. Alors, qu'est-ce que j'ai comme troupe? J'ai deux troupes. J'ai un épéiste et des colons. Oui, donc ça c'est bon. J'ai fait. Alors, il faut que je fasse une file d'attente de construction. Donc là, actuellement, j'ai déjà construit baraquement, forge. Hall des bâtisseurs, donc ça me permet de construire des routes avec la forge. Ça fait plus 15% d'habitation. Je sais pas exactement ce que c'est que les habitations, mais ça c'est la population. Ça va être ça, ça va être le maximum. Ok, sanctuaire qui ajoute du pouvoir pendant l'utilisation de la belladone, réduit le niveau d'habitation de 10%. Un grenier qui augmente de la nourriture, la population maximale et la croissance. Et une forteresse produit une quantité de pouvoir égale au nombre total de livres de sorts. Plus 5 pouvoirs dans le miroir. Donc moi ça veut dire je crois que j'ai 10 de base, 10 livres de sorts. Donc ça va faire 15. Les relanceurs de sorts ajoutent la moitié de leur mana comme capacité. Ok. Tire des éclairs si jamais on veut attaquer dedans. Ok, alors qu'est-ce que je vais pouvoir construire maintenant? Alors, je peux construire des unités qui vont me prendre là encore le temps de recrutement est juste effarant. Alors, ce qui est en gris, je peux pas le recruter encore. On voit qu'il y a pas mal d'unités que je peux recruter. Hop. Et je peux faire. Je recrute Belladone.
Sanctuaire, utilise la belladone pour dissiper automatiquement la magie contre tous les enchantements de la ville. Et sans globo vous diriger contre la ville à chaque tour. D'accord. Donc ça permet de se défendre le cas échéant. Alors l'armurerie déverrouille une unité. Ok, ça va m'ajouter du de la recherche. Alors écurie, ça sert pas à grand chose parce que j'ai cru comprendre que j'avais pas accès à quoi que ce soit. Ça c'est le baraquement. La scierie augmente la production des forêts. Parce que j'ai pas mal de forêts. Ça pourrait avoir le coup que je fasse une scierie. Un marché, les revenus imposables, remparts, temple et guilde des mineurs. Ça n'a pas d'intérêt. On va faire une scierie. Hop. Et puis ensuite, ça me permettra comme ça de recruter des archers. Qui sait, ça peut être bien. Et donc j'imagine que je peux, voilà, c'est l'un, c'est soit je recrute des troupes, soit je reconstruis des bâtiments. Ça fait partie des systèmes que j'aime pas du tout, mais c'est ainsi. Je peux augmenter les taxes, mais forcément les gens ils vont pas être contents, donc là je perds 4 sous par tour. Ok. Donc ça c'est ma capitale et mon cercle d'invocation, j'imagine. Et j'ai ça, et donc j'ai des fermiers, des ouvriers. Donc les fermiers, une nourriture est nécessaire pour faire vivre chaque citoyen. Oui, donc là actuellement, je génère zéro puisque... Puisque... J'ai un grenier qui me génère deux de bouffe. Et j'ai deux fermiers qui me génèrent chacun un de bouffe. Chaque deux surplus de nourriture est transformé en or à la fin du tour. Ok. Et les travailleurs. Ok, qui rajoutent au point de construction. Bien. Un flou sorcier. Donc ça, c'est mon sorcier. Alors, il y a quelques trucs de tutoriel que j'ai déjà lu, donc du coup ils vont pas réapparaître. Plus importante sur toi, les sorts, voilà, les traits, etc. Ok, vos livres de sorts. Ils peuvent également être obtenus à partir de trésors. Oui, on peut en trouver. L'histoire, mais elle peut être accessible. Et. Progression de votre titre de maître. Bien. Ok. Mes armées. Voilà, gestionnaire d'armée. Ok. Bon, très bien. Ça permet de les sélectionner plus facilement. Magie. Ah, ça, j'avais pas vu. Ah oui, je permets de savoir ce qu'on dépense. C'est fiable. Votre vendeur indique la proportion de pouvoir qui est utilisé dans chaque but. Ah, augmenter la mana, recherche de sorts ou améliorer les compétences d'ensorceleur. D'accord. Donc là, à chaque tour, je gagne 6 de chaîne. D'accord, on peut répartir un peu comme on veut. Donc, vos adversaires apprennent divers enchantements. Donc là, il y a un enregistrement de tout ce qui est déjà lancé, les trucs qui te coûtent de la mana, et on peut transformer de l'or en mana si on en a trop. Très bien. Donc comment est-ce que je fais? Ok. Hop. Recherche. Bon, je vais laisser tel quel pour l'instant. Diplomatie. Je connais personne, donc forcément. Ça, c'est rapport de bug. Ville. Ah oui, là. Ici, vous pouvez voir d'un coup d'œil toutes les villes qui vous appartiennent. Ok. Bon. Et on peut gérer par le familier, hein, qui permet d'automatiser le schmilblick. Bien. Donc, ça, c'est notre zone. Donc, on a. Alors, eux qui se déplacent de 3, eux qui se déplacent de 4. Donc, je vois que je peux me déplacer jusque-là. Très bien.
Ah oui, et comme je vole, du coup, je suis pas limité par les... C'est cool ça. Je suis pas limité par les montagnes qui sinon me bloqueraient. Donc j'ai une armée qui est très mobile du coup. Enfin, des troupes qui sont très mobiles. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. Pourquoi est-ce que... Bon, je vais aller voir. Bah, je vais commencer. Ouais, je vais commencer par là, ensuite on ira là. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est une ancienne tour de sorcellerie qui n'est pas touchée par l'entropie. Elle est abandonnée, mais encore pleine de pouvoir. Et d'accord, elle nous permet de nous déplacer entre les mondes. Si on arrive à les vaincre, mais c'est pas pour tout de suite. Ouais, victoire lourde perte, on va éviter. D'accord, donc il faut d'abord passer par là. Très bien. C'est un échec, c'est pas très grave. Est-ce que je vais jeter un sort? Endurance, est-ce que j'ai bien qu'il aille beaucoup plus vite? Pas forcément. Je peux éventuellement invoquer un esprit magique. Ah, ou alors sinon, un allié. Ouais, 12 tours de lancement, laisse tomber. Faire un esprit magique, ça me fera une unité de plus, et puis c'est des unités qui sont utiles de toute façon. Ok, fin de tour. Voilà, j'ai invoqué un esprit magique. Ouhou. Ça se déplace assez vite. Mouvement naval, mouvement terrestre. Ouais, ça vole pas par contre. Ah, bon bien. Bien. Alors, ici, les temples anciens. Ouais, par contre, je vais pas tout lire, je suis désolé. Je vais pas tout traduire. Si vous êtes familier avec l'anglais, vous pouvez mettre en pause. Voilà, là j'ai appris un sort qui s'appelle dissipation de magie. Moufou, je suis heureux. Donc, ce truc-là, bah, je vais le faire scout un peu. Du coup, comme il est plus lent, je vais pas lui faire rejoindre cela. Faire lancer endurance. Oui, sauf que là, ça me coûte 4 tours. Ok, bon, c'est pas grave. Non, je vais pas jeter de sort, du coup, je vais garder. Puis si jamais j'ai des combats, ça me tomberait. Il peut y avoir des gardes. Et ben, je vais pas y aller. Deux ghouls, un squelette et un loup-garou. Contre les pauvres péons, parce que là techniquement en fait les colons ils sont tout nuls en combat donc hop. Un géant de feu, deux chiens d'enfer, on va pas les. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je gagne 60 d'or. Master. Ah oui, donc là, il me donne un autre truc comme ça. Bon, je vais l'accepter. Ou... Attends, choix, je vais voir ce qu'il me propose d'autre. Sinon c'est Vord, 10 mana. Ouais, et ben on va choisir un esprit en plus. Est-ce que ça me coûte, tiens, c'était une magie. Non, ça ne me coûte rien d'avoir ces créatures-là. Hop. Explorer par là, par exemple. Le temple est abandonné et j'ai appris un mur sacré.
Écoute, je vais pas m'en plaindre. Ah, une autre ville avec des trolls. Ouais, pas sûr que je vais pouvoir la prendre tant que j'ai pas plus de troupes. Et là, donc, il y a un nœud. Gargouille, géant, chien d'enfer. Non, merci. Donc ça, c'est des nœuds de pouvoir. Je ne me souviens plus trop. Bon. Plus élémentaire. Laisse tomber. Alors, ceci dit, je constate que par là, j'ai quand même pas trop d'unités. Enfin, je vais peut-être pouvoir. Alors, j'utilise la touche Tab. Je vois si je vais pouvoir ou non m'installer par là ou pas. Parce qu'en fait, ce sera aussi une bonne chose d'aller faire directement une autre ville. Une tour, hop. Et ben 60 ans et 30 de mana, formidable. Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, là, ma mana, je l'utilise pas. Comme je lance pas de sort. Ça, c'est un protège. D'accord. Oula. Ah non, c'est le tour est fini. Sort recherché. Peu d'étoiles. Alors, qu'est-ce que... Guérison. Toujours utile, éclair de feu. Alors c'est un autre sort de combat. Bénir, guérison. Bon, on va prendre guérison. Allez. Alors, donc. Des gardiens, aimanteurs de l'air, des guerriers fantômes. Ouais. Alors. Là, si je me mets là, j'aurai de l'or et de l'adamantine. Plutôt cool, ça. Je vais t'installer là. Charge de famille, c'est déjà fait. Toi, tu vas là, prochain tour. Donc là, c'est beaucoup trop fort. Un autre nœud de pouvoir. Alors, du coup, toi, je vais te faire construire un avant-poste. Poum. Voilà. Licorne, esprit gardien. Ouais, c'est bien, je découvre tout, mais je peux rien en faire. De la mana. Ou autre chose. Ah. D'accord, bon, j'aurais peut-être pas dû faire continuer d'explorer.
Tour 10. Ouhou. Ah. Chance de gagner. Ouhou. Bon, on va prendre commander personnellement. Et on va voir un peu ce que ça donne. Et le boulet de service a encore oublié de lancer l'enregistrement sur YouTube. Donc on dit bonjour YouTube. Et... c'est pas gentil ce qu'il fait là. Voilà, donc YouTube, on est sur Master of Magic. Et de toute façon, c'est le signe qui va bosser et qui va me détester encore. Défendre les projectiles en bon. Ah d'accord, je peux détruire leur capacité de lancer les sorts. Ce qui sera plutôt pas mal. Capacité réduite. 80% de résistance. Ça pue plus. Attaque magique à distance. Bon. Sans le sapin. Qu'est-ce que je vais pouvoir lancer? Bon, on va tester ça, mais... cette unité n'est pas une cible valide pour ce le sort. Bon. Tout ça, je peux pas. Ok. Qu'est-ce que je peux lancer d'autre? C'est quoi ça? Et la force de l'unité. Bon, bah, je vais invoquer un élémentaire. Histoire de pas perdre. Ah ouais, du coup. C'est un peu pété ça, tu peux reculer autant que tu veux. Et tirer. Ça c'est fait. Et ben voilà, j'ai appris éclair de feu. Elle est pas belle la vie. Bon. Ah. Bien. Pas d'informations, j'aimerais bien avoir des informations pour toi. Nous avons donc remporté notre premier combat. Pourquoi il y a un 2 là? Je sais pas. On va continuer l'exploration. Ah, c'est que ça, je pourrais y être dans 2 tours. Il faut vraiment une autre unité. Ça, on a vu que effectivement. Ah, et là on a un autre. Non. Avec 3 fermiers. Et 2 ouvriers. Bien. Ah, j'ai une autre unité là du coup. Trop bien. Bon, je vais essayer d'aller m'attaquer au troll là-haut. Deux armées, ce sera peut-être mieux. Hein?
Hop, pendant ce temps, lui, il se balade. Alors... Ouais. Allez, bisous, Katax. Merci d'être venu. Là, peut-être que si j'avais avec une autre créature, ça le ferait. Mais... C'est clair que en l'état actuel, c'est pas faisable. Allez, on va se laisser comme ça. Oh, il n'y a plus d'unité, bon, ça va. Bon, on va le faire. Hop, on va même pas le faire. Ah oui, d'accord. Bon. Tac. Donc, je viens de prendre le contrôle de d'un truc de troll que je vais garder. La renommée, je sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà. Donc, ça me fait un troisième action spéciale. Qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Ça, ça peut faire quoi? Fusionner. Permet à cette unité de fusionner avec un autre pouvoir. Chaos Sorcellerie de nature pour en prendre le contrôle et en faire bénéficier son magicien. Ok, là aussi c'est les mêmes. Chaos Sorcellerie ou nature. Ouais, c'est le même. Ça c'est quoi, sorcellerie? Ah, là je peux pas cliquer dessus. Ok. Ah, un autre village ici. De Draconia. Bien. Et ben on va aller chasser, chasser le village. Est-ce que je vais faire. C'est que je vais jeter le. Non. Je peux lancer 21. Je vais essayer de lancer le sort de rechercher ces nuages, je vais la lock. Je vais booster un peu la mana. Ah oui, c'est dans 4 tours, okay, oui, parce que c'est y compris celui-là. Oui, non, donc en fait ça change rien. Bon, allez, c'est comme ça. Ok. Un tour. Du coup, là, c'est un petit peu plus lent. Géant. Ah. C'est que je vais prendre les deux. Je vais quand même aller les faire un peu plus vite histoire de rejoindre celui-là. Ah, avant-poste se développe. Formidable. J'ai donc désormais 3 villages. Ah oui, j'en ai un qui me donne plus. Voilà. Cool. Je gagne des sous maintenant. Positif. Et les trolls forcément sont un peu moins jouasses. Ah, il faut peut-être que je dise de construire des trucs. Alors, qu'est-ce qui va leur faire se calmer? Il faut diminuer l'agitation, c'est les sanctuaires. Donc je vais faire un les bâtisseurs ici.
Et ici... Bah pareil. Ça j'ai pas regardé. Hillmund. Qu'est-ce qu'il y avait déjà de construit? Il y avait une forge. Rien de très très intéressant, mais c'est pas grave. Okay. Et donc là, dans 3 tours, j'aurai une archerie. Aller vers le sud. Toi, tu vas aller là. Et tu vas attendre. Hop, la fin du... le tour prochain. Hop, on les regroupe, tout le monde est full. Et au prochain tour, on attaque là. Alors, héroïsme, notre sort est prêt. Dame. Tac. Je vais me mettre sur l'un des deux. Alors, qu'est-ce que ça fait? Piste draconien. Héroïsme, un allié ou une unité non fantastique ciblée devient immédiatement élite. Ça lui fait un point de vie en plus. 3 en résistance en plus, 1 en armure. Ouais, c'est sympa quand même. Ah oui, d'accord. Plus 2. C'est quoi? C'est la mêlée, chance de toucher. D'accord. Le fait de passer de 1 à 2 PV, c'est quand même... c'est pas rien. Sauf que du coup, ça me coûte 2 de magie par tour. Ouais. Donc il faut un peu faire gaffe. Alors, fil d'attente terminé. Donc ici, je vais maintenant construire un archer. Ouh, si tout. C'est tellement long. Et la scierie est terminée. Donc ça fait quoi d'autre? Ah oui, ça fait plein de production pour les trucs de bois. Production des hexagones. Sachant qu'il y en a quand même 1, 2, 3. Ça, forêt. Ouais, il y a deux graphismes différents. Mais... Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, c'est quand même plutôt intéressant. Et donc là, c'est parti. Une unité. Allez, on va commander personnellement. Les défenseurs se déplacent toujours en premier. Ça c'est mon élite, il est là. Alors 1, 2, 3, il va déplacer là. Et puis on va terminer le tour ici. Je peux même utiliser la magie. Et pas sort de l'unité, bon, c'est un éclair de feu. Waouh. Non, c'est le sort. Donc, je peux booster. Quoi, 15 de dommages, sachant qu'il a... Ah oui, il a 6 unités, 8 unités qui ont chacun un PV. Donc logiquement, si je fais 8 de dégâts, le tour est joué. On est d'accord? On va tester. Hop, confirmer. Oui. Et c'est un échec total parce que souffle ardent. Eh ben je sais pas. Et c'est bien. Il n'y a pas un journal de combat ou. Où...
Bon. Alors, tac. 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 Ah. Burn. Wow. Ils ont souffert. Et pourquoi je peux pas l'attaquer? Je ne sais pas. C'est bien, c'est cool ce jeu. Je peux pas l'attaquer, mais je sais pas pourquoi. Vol, cette unité peut voler, les unités volantes ignorent les coups de mouvement de map et ne peuvent être attaquées en mêlée. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon. Eh ben, on fera ça. Bim. Ok. Eh ben, on garde celle-là aussi. Une construction. Hors d'Aventine. Hop. C'est con, c'est la même chose que ce que j'ai là. Alors. On commence toujours par un des bâtisseurs. Ça, c'est pas quoi, ingénieur? Attends, non, est-ce que j'ai besoin? Oui, ça me débloque plein d'autres trucs en fait. Ça c'est quoi comme type de terrain? Prairie. Ouais, prairie. Marais. Le guide des charpentiers, ça fait quoi? Des verrous unités. Maître RM et chantier naval. Bon. Taux de croissance. Bien. Bon bah GG. Attends, c'était quoi que j'avais vu? C'était là où c'était tweak. Alors je vais y aller. Lui il va rester là. Elle continue explo. Et là, hop. Au prochain tour, je te crée ici. Grosse vache. La vache. Bon, on va commander personnellement. Donc il avance de 3, 1, 2, 3, soyons bêtes, et discipliné, 1, 2, 3, hop, il m'a semblé qu'on pouvait attaquer plusieurs fois par tour, j'étais un peu déçu par mon truc du chaos là, c'est la résistance peut-être, ça doit être ça en fait, ce qui m'a il a fait que c'est pas passé, ah ouais, 4 unités qui ont 4 PV chacune. L'avantage c'est que lui ne peut pas m'attaquer, donc en fait c'est des frères. Bon, d'accord. C'était vraiment très très dur. Ok. XP 24, XP 15. Bien. Bon bah je vais aller conquérir chez les nains, c'est aussi difficile à chaque fois. Ce sera pas trop. Là j'ai pas exploré encore. Ouais, je vais pas aller explorer tout de suite. Hop. 19. De nouveau un chien. On va pas engager celui-là, je vais pas explorer. Un naga, deux bêtes fantômes. Ah, c'est plus compliqué déjà. Quoique, ça a pas l'air.
Allez, on va commander personnellement. Si besoin, on lancera des sorts. Bon, en plus, ils sont J-Max. Ah, alors là, ils m'attendent. Attaque de bouclier, grand bouclier, montagnard. Ok, grand bouclier contre les attaques à distance. Ça tombe bien, j'en ai pas. Hop, alors là j'ai. Alors du coup j'ai peut-être buffé mes troupes. Où est-ce que j'ai les. Tous les sorts. Sorts abordables, il faut que je puisse les lancer. Ça fait quoi? Donne plus de force, d'armure, de résistance. Armure sacrée. Ça coûte 27. Non, ça coûte 18. C'est quoi? Coup d'un coup en mana pour ensorceler. Et ça coûte en compétence d'ensorcellement. Alors c'est 50% de plus à chaque fois en fait. Bon, on va voir ce qui se passe si je le buff. Parce que je peux lancer. 22. Je vais le buffer. Du coup, il y a 6 d'armure. Ouhou. Gros tank. Hop. Tac. Essayer de les prendre d'éviter de les prendre de front. Hop. Kaboum. Ah oui, mais c'est vrai que lui ne peut pas m'attaquer. C'est pour ça en fait qu'il n'a pas avancé. Je pense. Mes créatures sont volantes. Je vais péter ça. Par contre, ça fait beaucoup de bruit. Non, là, je peux pas baisser les combats. Le bruit. Tac. Là, je peux plus rien lancer d'autre. Ça sera abordable. C'est vraiment très intéressant. Ceci n'est guère efficace. On peut pas leur donner l'ordre d'attaquer. C'est pas très 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 aléatoire, je trouve. Notre renommée augmente de 1. Ouhou. Minerai de fer, construction 2. Allez, on garde tout. Hop, un hall des bâtisseurs. Tac. Qu'est-ce que tu as déjà construit? Baraque. Ah. Ah, du coup, tu peux faire des unités. Ah oui, c'est super. Utile le baraquement. Alors,
Ils vont s'arrêter là. Ah, il est régulier. D'accord. Les meilleures stats pour mon deuxième. Ah, attends, est-ce que eux, ils sont passés 3 étoiles? Ils étaient déjà 3 étoiles là? Ah, ils étaient déjà élites, d'accord. Votre Excellence est donc conseillé, je me sens obligé de signaler que certaines origines ne sont pas défendues. Oui, je sais. Il peut y avoir des bandits qui rôdent. Si notre armée marche sur une ville non défendue, elle est immédiatement perdue. Ok. Bien. C'est entendu. Là, j'ai quoi? Ça, même si c'était pas super fort. Ah oui, si, si c'est chiant parce que ça tire. Et puis moi, je suis un peu mal en point. Qu'est-ce qu'il me propose? Deux ours. Et puis... Certains nombres d'unités peuvent être tués, mais seulement blessés. Ouais, comme la différence entre l'utilisation de la magie ou pas d'utilisation de la magie, elle est non nulle. Hein. Ça bastonne. 16 PV. Ah, j'ai un tour. Là, j'ai regardé ce qu'il y avait. Oui. Merci. Non, merci. Il arrive quand? Trois tours encore. Un marchand arrive, vous propose une hache de force magique. Ouais, c'est bien, sauf que comme j'ai pas de héros, bof. Ah, il y a encore un autre. Bon, je vais sauvegarder. Enregistre. Enregistrer 1. Enregistrement réussi, formidable. Et on va commander personnellement. Ah, tu m'as payé. Saleté. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'empêcher de 18. Quoi ça? J'ai 23. Et ça. Ça me coûte 20. Ah, les créatures de la vie. Ah non, ça c'est nul en fait. Il faut surtout pas que je lance, puisque ça c'est des créatures. Non, c'est des créatures de la nature. Moi, c'est des créatures de je sais pas trop quoi. Ah tiens, c'est marrant. Ça, par rapport à tout à l'heure, ça me coûte plus. J'étais à 50% de plus. Là, je suis à deux fois plus. C'est quoi ces coûts sont vraiment différents. Pour les cerveaux qui veulent. Le coût des sorts de combat peut être affecté par la portée d'incantation. D'accord, la distance de la forteresse. Ok. Ok, donc plus on est loin de la capitale, plus le... c'est l'élite.
Voilà, je vais lancer ça sur... J'ai quand même pas super envie qu'il se fasse défoncer la tronche. Il n'a rien fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord à la chasse aux petites fées, et puis ensuite j'irai m'occuper des ours. Je vais prendre tout ça. Tiens, ce petit fait que je baisse le volume. Pas grand chose. Par contre, j'ai pris un peu. Putain, l'expérience, ça change tout. Hein. Oh, il est sérieux, bordel. Sur le dernier engagement, quoi. C'est tellement naze. Bon, je vais recharger. Vais recharger, bah, ça serait bien. Hop, tiens, ça me permettra de voir ce que fait la Résoluto. Comment est-ce qu'elle s'en sort? On va tester là. Pourquoi ça bouge plus? Ouais, c'est un peu long à charger. Bon, en tout cas, c'est vraiment du 4X, quoi. Rien à faire. C'est vraiment... Allez. On va envoyer le compagnon, voir ce que ça donne. Ah bah la même chose. Formidable. Oh, ça me saoule. Ouais, tant pis. Non, parce qu'en fait, non. C'est juste chiant de perdre une créature à ce moment-là, quoi. C'est tellement important de... Si seulement j'avais attaqué avec l'autre. Les autres sorciers entreront immédiatement en guerre et quiconque commence à ensorceler par le sort de maîtrise. D'accord, ouais. Donc le sort de maîtrise, c'est l'objectif. Hein. Il y a deux possibilités de gagner, si j'ai bien compris, c'est soit défoncer tous les autres sorciers, soit lancer ce qu'il appelle le sort de maîtrise, qui sera disponible quand j'aurai recherché à peu près tous les autres, si j'ai bien compris. Les autres disponibles en tout cas.
Bien, allez, on prend les mêmes et on recommence. Et on va essayer de pas perdre de troupes cette fois-ci. En commandant personnellement. Et ce qu'on va faire, de toute façon, ceux qui font vraiment mal, c'est les mours. On a vu qu'en fait, les petits feux, c'est mignon, mais ça fait pas grand-chose. Oui, parce qu'en plus, ça fait d'autant plus pas grand-chose que j'ai un bouclier. Ouais. Donc en fait, on va s'occuper de défoncer. On va lancer un éclair de feu. Somme de dommages. J'ai quoi? J'ai 23. 23, ça fait 2 fois 8. Ouais, je devais lui faire 8, je lui fais 3. Ok. Sachant qu'il y a 60% de distance. Ouais. Bon. Je sais pas pourquoi il s'attaque à nos élites. Être un pourcentage. Merde. Moi ça me va si si s'attaque à mes élites, ça me va. Hop. Bon oui c'est un sort max. Putain. C'est quoi? N'importe quoi. J'ai pris cher. Bordel. Ah, ils ont un nombre de projectiles limités. Est quand même meilleur. Hop, plus d'XP. C'est quoi là? Okay. Il va falloir quand même qu'on voit un peu ce qui est. Alors, là, c'est les trolls. Je vais essayer avec mes. Là j'ai quoi? J'ai 4 bestiaux comme ça, même ça fait pas beaucoup de ça fait pas grand chose contre les épéistes, mais je vais quand même attendre un peu. J'ai mes archers qui arrivent au prochain tour. Je vais faire ce régène. Encore un tour, comme ça en plus j'aurai le sort de guérison. Ce qui sera toujours bien. Alors, qu'est-ce que je peux choper d'autre? Éclair de foudre, arme sainte, chien de l'enfer, créature déformée, souffre, d'accord, donc ça c'est un gros debuff en fait. Ça, c'est un buff. Créature
créature divine, bénédiction divine. Plus 3 à la résistance et à l'armure. Ah oui, mais c'est contre des unités spécifiques. Toucher les créatures qui sont immunisées contre les attaques non magiques. D'accord. Donc ça peut permettre de... Ouais, ça peut être bien, ça concerne certains types de troupes. Allez. Hop. Alors, ici. J'ai fini. Augmente la récolte de nourriture plus 2, production plus 25%. C'est un peu toche. Alors les ingénieurs, c'est une unité non combattante qui en faire des routes, ce dont j'ai pas vraiment besoin. Chaman, ça serait bien. D'attaque à portée magique avec capacité de lancer des sorts. Et donc guérisseur. Et ouais, ça c'est tellement bien. Purificateur. Attaque magique à distance. Wow, par contre c'est long, bordel. Allez, on va comment faire un passer comme fort. Putain, j'en ai des sous. Ah ouais, ok. D'accord. Bon, les sous c'est bien. Ça donne quoi mes objets du coup? Hall des bâtisseurs, hall des bâtisseurs, hall des bâtisseurs. Ah oui, que je peux accélérer aussi. Ok. Filet en thermique. Ouais, ok. Donc du coup... Ça déverrouille quoi les halbardiers? Plus de recherche. Augmente les revenus. Ça permet quoi? Dragon du sombrage. Waouh. Guild des ennemis. Réduit les troubles, par une session double taux de guérison des unités à l'intérieur de la ville. Ok. Tombe, ça réduit la PSA guide des forestiers. Ah, déjà vu. Je vais faire le... La bibliothèque derrière. Ok. Alors là du coup je vais faire rejoindre ici. Ah oui, c'est pas la même chose, esprit gardien, esprit magique. Ok, esprit incorporer les volants. Ah, c'est bon, il n'était pas indiqué que c'était volant. J'imagine c'est plus fort. C'est marrant parce qu'ils disent que c'est volant, sauf que quand tu regardes l'unité, c'est le, en fait c'est intemporel. Je vais mettre des défenseurs. Là, on a dit qu'on essayait de faire une capture avec nos deux gros. Hop, une petite sauvegarde. Allez, pouf. Youhou.
Voilà. Du coup, je me retrouve avec tout ce qu'il y a sur mon île, manifestement. Où on a dit que vous faisiez dodo encore un tour. J'ai un avec un esprit magique. Aussi ouf. Nous allons tester ce que c'est. Toi, tu vas rester en défense. Le temps de régène. Hop. Toi, tu vas rester en défense. Tac. Ah, et le truc, c'est que l'héroïsme, c'est effectivement si je l'annule, en fait. Sur 120. Tac. Tout ça, c'est des esprits magiques. Je vais mettre des défenseurs un peu partout, comme j'en ai. Hop. Tac. Et le prochain tour. Donc, super armé, ça devrait bien se passer. Alors, toi, tu vas aller par là. Tac. Toi, tu vas aller. Ça, comme j'aurais besoin. Bon, c'est bon, j'ai à peu près régène. Hop. Allez, ouais. On va nettoyer. Normalement, ça devrait bien se passer. C'était comme ça. Oh non, lui il fait chier. Il fait chier. Ah, la flemme, c'est mal. Flemme de devoir faire le combat à la main. En plus, j'ai guérison, donc... C'est sûr que mon unité d'archer, elle est plus fragile face aux tireurs adverses. Mais c'est con parce qu'en fait, peut-être que si j'allais juste avec mes deux épéistes. Comme ils ont la blinde d'armure contre les armes à distance, peut-être que les risques seraient plus limités. Allez, on va commander personnellement, on va voir un peu ce que donnent ces nouvelles unités. Whoa.
Ah, d'accord, ok. En fait, j'ai l'impression que c'est totalement aléatoire, quoi. Alors, on va tout de suite soigner, hein, parce que ça me coûte quoi, 15? Putain, je peux en faire qu'un seul de soin. Soigne jusqu'à 5 PV. Vache. 30% de précision. D'armure quoi. Mal comme c'est très loin. Ah, il y a un petit 0% là que j'ai peut-être pas trouvé. Ouais, munitions 0 sur 4. Et moi, les miens, ils en sont où? Pareil, munitions 0 sur 4. Ah, 4 sur 8 pour eux. Sauf que les autres, ils sont tellement loin. Moi. Ouais. Bon. Bah, je pensais que ça se passerait bien, mais en fait. Sachant que la distance a l'air d'être prise en compte, en fait, ce qu'il faut, c'est le laisser tirer comme un con. Ouais, c'est comme ça. Je vais tirer comme. Le laisser tirer comme un con. Je vais me reculer. Je vais faire comme lui, puis ensuite je vais attendre qu'il avance. Sachant qu'au 4, bah, normalement il fait rien. Chaque ville a une portée de collecte de 2 hexagones et celle-ci ne change pas au cours du jeu. C'est important ça. C'est-à-dire que contrairement à Age of Magic, où on avait des bâtiments qui permettaient justement d'agrandir ce. D'agrandir la portée de contrôle d'une ville. Là, c'est pas le cas. Bien. Bien. Bon, bah on essaie des stratégies, hein.
Ah, j'ai encore oublié de lui cette son. Merde. Non, c'est notre combat. Donc là, par exemple, j'ai 30%. Chaque point augmente les chances de toucher 10%. Les attaques à distance de ces unités sont elles sont prises à n'importe quelle distance. D'accord, elles ne subissent aucune pénalité aux chances. Bon. Ah ouais, du coup, c'est plus la résistance qui compte ici. Aux effets néfastes, non. Défense, les défenses effectuées pour réduire les dégâts des attaques à mêlée à distance, ainsi que certains aussi. Non, j'ai pas l'impression. Bon. Comment ils sont dépouillés? Ils se font littéralement défoncer, quoi. Et donc, ce que je voulais faire ne fonctionne pas. Et c'est bien dommage. Les gars, vous y arrivez. Bon. Rien qui passe quoi. Je pourrais faire un trait de feu. Hop. Ouhou. GG. Bon bah. Maintenant je vais le laisser avancer. Il n'y a plus de munitions en fait, je suis en train de me dire. Lui non plus. Non, il n'a vraiment définitivement rien fait. C'est le DPS de combien? C'est bestiaux de 3. 1, 2, 3. Hop. Ouh, 100% de précision, c'est bien. Les troupes, hein. C'est bien, c'est bien. Ça me saoule. Sérieux, ça me saoule. Bon, je vais pas faire ce combat, je suis désolé. Je teste et c'est ma vendeuse. Je vais arrêter le premier record et je vais en lancer tout de suite un autre. Bye bye la VOD et à tout de suite.